Good morgen, allez Yiden, les sujets aujourd'hui, les longs chemins de Ramon de Rabbi Nitzrik, Mephani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah, Bat Esther, Amram Yona, Ben Chana, et Shimon, Ben Eliyahu, Bekuka. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude du Mishnah, contactez le Sagement éternel. Nous y sommes à la plus haute période de la Mishnah, Yudalef, Ben Anoukvan, et Yavon, et Chimunaï. Yehevian, Yatvan, Beveiti, ou Mitzanan, Mitaznan, Minichasai, Adignasvan, Legouvrin, Chayav, Shehu, Tnaï Bet Din. Encore une Mishnah supplémentaire qui vient nous préciser les conditions qui doivent être écrites dans l'Aktuba. En me le présentant de manière un petit peu spéciale, en me disant que même si j'ai oublié de l'écrire dans l'Aktuba, parce que lorsqu'on s'est marié, on a oublié d'écrire cette clause, on est quand même engagé par cette clause-là, parce que Rami m'a instauré que c'est comme ça qu'on s'engage quand on se marie avec une femme. Et non, en l'occurrence, c'est quoi cette fois-ci, ce nouveau décret là qu'on va découvrir? C'est Benan Nukvan. Les enfants en femelle. C'est une manière de dire les filles. Les filles, Dehavian Nechimnaï, que tu vas avoir de moi, Yehevian Yatvan Beveiti, elles seront installées dans ma maison, ou Mitaznan Minechasai, et elles se nourriront de mes biens, Ad de Itnasvan Legouvrin, jusqu'à qu'elles vont se marier avec des hommes. Et donc la Michel continue en disant que si tu as oublié d'écrire ça, Khayav, on est quand même engagé de payer cet engagement-là, parce que je suis Utnaï Bedin, parce que c'est le devoir du Bedin. J'explique un petit peu mieux, c'est pas compliqué du tout, parce que on avait déjà expliqué que un homme après son décès, eh bien, ses garçons héritent et ses filles n'héritent rien, en théorie. Selon la Torah, la fille n'hérite rien s'il y a des garçons. Et même s'il y a un garçon avec 10 filles, et un garçon de 40 ans qui est millionnaire, et il a 10 filles qui sont des petites filles d'entre 4 et 9 ans et qui n'ont pas un rond autrement, malgré tout, c'est le grand qui prend tout et les filles qui n'ont rien. Ça, c'est selon la halakha stricte. Maintenant, le Chachamim m'a assuré que malgré tout, il faut quand même prévoir quelque chose pour ces filles-là. Que les filles, jusqu'à qu'elles vont se marier et qu'elles vont pouvoir grandir et se marier, on va instaurer que, les biens que le père laisse, eh bien, ils seront engagés en garantie pour. Ils sont engagés pour. Ils sont mishubadim, ils ont. Bon, ils sont engagés pour nourrir les filles. Ça veut dire, elles n'ont pas le droit de toucher au capital du bien. Mais les biens, on va les investir. Il va y avoir des dividendes et les filles, maintenant, elles vont pouvoir. Elles vont manger jusqu'à qu'arrive l'âge du mariage, qu'elles vont se marier concrètement. Eh bien, elles continueront à se nourrir de ces biens. C'est ce qu'on appelle la Benan Nukvan. La Ktuva de Benan Nukvan, la condition de la Ktuva qui est écrite sur les filles. Et la Mishnah, donc, elle est venue comme une Mishnah précédente. On va apprendre que si tu as oublié d'écrire ça quand tu as écrit la Ktuva, malgré tout, l'engagement est effectif, malgré tout, parce que c'est un takanat razal de s'engager de la sorte. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sacha, comme tout le salaire.